Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne. Aujourd'hui, on se retrouve sur Yazacraft, le serveur faction. Les amis, aujourd'hui, on va débuter un nouveau Let's Play faction. Yo, merci, bro. Ça fait plaisir. Gros merci, le serveur vient juste de redémarrer. Donc voilà, il y a des gens qui se connectent sur le serveur. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, dans le fond, j'ai claim un AP. Ok, regardez. Le serveur, okay, il est ouvert depuis pas longtemps. On est au nord. Et j'ai claim un AP sur la ligne nord. Puis comme vous voyez, moi, c'est purple, ma faction. Il y a plein de claims qui sont disponibles autour de moi. Donc là, j'attends juste d'avoir peut-être un peu plus de power. Je sais pas. FF. Ouais, on a un claim. Parce que j'aimerais ça claim, genre, un autre truc. On peut parler Skype TS. Attends. J'aimerais ça claim genre. Je sais pas, ici. F claim O. Ouais, c'est ça. J'ai pas assez de claim. Faudrait que j'attende que je sois connecté plus longtemps, etc. Mais c'est pas grave. Fait qu'on va commencer par se faire une petite boîte. Et puis, genre, on va se cacher à l'intérieur. Le temps que. Tu sais, qu'on ait quelque chose de stable, d'obsidienne, pour faire un AP en obsidienne. Ça serait, selon moi, l'important. Donc, j'ai fait ça et je vous reprends tout de suite après. Ok les gars, on se retrouve pour un don de feu mage. Il m'a dit yo, j'ai un grade, j'ai un don de fou. Donc on va voir si c'est... C'est un TP kill. Wow, great. Super. Gros fils de pute. Ok, ça commence bien. Ça commence plutôt bien dans le milieu les amis. Super. Ok, fac, vu qu'on n'a pas de bois ni rien, on n'a pas de kit de construction, ça va vraiment être un let's play genre un peu plus difficile. Là, je suis mort dans, avec l'obsidienne que l'abonné m'avait donné, etc. Parce que je pensais vraiment pas qu'il allait nous tuer, mais bon. C'est des choses qui arrivent. On va prendre du bois. On va aller miner. Est-ce que j'ai X-ray? Non. Donc, on peut pas cheater. Donc, oh, il y a quelqu'un là. C'est quoi qui veut lui, tu penses? Ok. On va se sneak. On va se faire un table de craft. Tac, tac. On va se faire une épée, un pioche en bois. On va prendre la stone, etc. On va évoluer, quoi. C'est comme un genre de UHC. C'est bizarre, mais... On va prendre 3 stones. Ensuite, on va prendre la stone pour trouver du fire. On va trouver assez de cobblestone ensuite pour, je l'espère, au moins pouvoir faire une pioche en fer. Voilà. Et là, on va remonter. Tac, tac, tac. On prend notre table de craft. Et on va aller trouver des diamants et tout. Donc, à tout de suite. Oh, on aura sûrement besoin de ça. Pour faire plus tard des trucs. À tout de suite. Ok, j'ai trouvé une petite grotte ici. On a besoin de la stone de toute façon. Donc, on va prendre la stone. On n'a pas le choix. On n'en a pas vraiment le choix d'en prendre. Oh, ça, c'est pas de la stone. Chris. C'est quoi ça? La diorite. Chris d'un poète de merde, dude. Ok, let's go, on a un peu de cobblestone. Là, il faut trouver du fer. Du fer. Ok, parfait, il y a du fer là. Okay, après ça, on aura un peu de fer. On pourra prendre du charbon aussi. Qu'est-ce qui se passe dans le chat? J'ai encore un don, gros don, TP moi. TP yes. TP yes. On va m'inviter du fer. Puis tous les amis, je vous reprends après. Oh! Ok, ben, il est arrivé le gars. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va nous faire comme don? Qui on pourrait tuer en ce moment, vous pensez? Ok, non. Merde. Zut, il nous a vu. Zut. Donc, il m'a dit qu'il fallait que je rec. Donc, j'ai dit oui que je faisais un rec alors. Et puis, qu'est-ce qu'il va nous donner, les amis, vous pensez? Prendre charbon pour faire des torches pour vous allumer le passage. Sinon, on a l'air con. Donc! Oh! Une pioche. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant aussi. Holy fuck, ok, bon, ben, on a déjà un P4, les amis. Super, méga, génial. Yes, sir, boys. Bon, ben, on peut marcher sur l'eau et tout avec ça. Est-ce qu'on peut fixer ça? Non, on n'a pas accès. Yo, je vais donner mon armure. Merci, jeune homme. Tiens, tout ce que je possédais avant que tu me fasses devenir l'homme le plus riche de la planète Terre. Voilà, jeune homme. Merci à toi. Message bidoule. Merci à toi. Gros. Premier épisode dans le full P4. Allez, easy peasy. On peut voir sur le serveur, les amis, l'administrateur est en train de faire gagner des grades. Donc, en gros, comment ça se passe, c'est que vous devez marquer, genre, dans le chat quelque chose, j'imagine. Et puis,
En gros, s'il y a quelqu'un qui est tiré au hasard, regarde comme là, regarde un autre qui vient de gagner un grade, etc. Donc c'est cool parce que ben, y a une petite communauté sur le serveur, et puis vous pouvez gagner des grades, etc. C'est quand même assez cool. Puis ouais, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai déjà fait une présentation de ce serveur-là. Ils ont eu des problèmes. L'ouverture était en décembre, mais ils ont eu des problèmes. Fait qu'il y a eu des maintenances, etc. Mais là, il n'y a plus de problème normalement. Donc, c'est plutôt cool. PS Get, c'est quoi ça? Ah, on peut voir nos spawners. Oh shit. Oh shit. Ça coûte cher. Fait que ouais, en gros, j'ai décidé de faire peut-être un let's play dessus le serveur. Si je fais un let's play, genre dans le prochain épisode, je vous dirai comment être recruté. Par exemple, genre ouais, ça va prendre des conditions, etc. Je ferai quelque chose pour pouvoir vous recruter. Parce que je pense que ça serait cool de faire une faction abonnée. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de faction abonnée. La dernière fois que j'ai fait une faction abonnée, les amis, ça doit dater quand même de vachement longtemps, hein, quand j'y repense. Depuis plus près de... Ouais. 6 mois. Aïe, aïe, aïe. J'allais dire une blague vraiment pas drôle depuis l'année passée, mais ok, c'était pas drôle, je vais me suicider. Bonne journée, adios amigos. Ok, non mais sincèrement, je trouve ça vraiment insane qu'on vienne juste d'arriver que le gars nous a donné un P4. C'est cool parce que regardez, check ça. Je sais pas si c'est... Regardez, on peut marcher dans l'eau. Je suis jamais en poète, mais là, un poète, c'est quand même vachement cool, un poète. Au niveau des nouveaux enchantements comme celui-ci. Ça va vachement plus vite pour se déplacer sur l'eau. Donc voilà. Là en ce moment, qu'est-ce que je fais, c'est que je m'éloigne un peu pour peut-être trouver un lac de lave ou quelque chose pour miner de l'obsidienne dans le fond, pour pouvoir faire notre petit home. À moins que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais je vous reprends dès que j'ai quelque chose d'intéressant. À tout de suite. Hop là, j'ai fait cuire quelques petits trucs pour avoir une hache. Là j'ai perle au-dessus. Voilà. J'ai perle au-dessus. On va prendre quelques arbres puis on va aller à la base dans le fond à la paix. On va commencer à créer peut-être un cube de cobblestone, tu sais, pour au moins voir qu'est-ce qu'on veut faire à la paix, peut-être commencer à creuser la paix. Puis ouais, on a déjà un API, vous pouvez aussi avoir un API vous, on a déjà un P4, fait que c'est, on a vraiment un bon début sur ce petit serveur-là. Moi je pense que ça va être cool d'avoir aussi une faction abonnée. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une faction abonnée, si vous en voulez une, ben je vous dirai comment faire dans la prochaine vidéo, comment qu'on fait. Mais si vous voulez vraiment juste pas de faction abonnée, dites-le aussi là. C'est dit, ah oh, non, j'aime pas ça quand il y a des factions abonnées, c'est le bordel, etc. Comme vous voulez les gars. Moi, ça me dérange pas. Tout! Désolé, j'ai éternué les amis là-dessus. Donc, je voulais vite fait vous demander tout ça. Et puis, je sais qu'aujourd'hui, c'est une vidéo un peu plus courte, mais inquiétez-vous pas, la vidéo de demain va être plus longue et aussi la prochaine vidéo sur ce serveur-là. Parce que voilà, quoi, on aura pas mal de trucs à faire. Là, faut vraiment juste que je prenne la cobblestone, etc. pour faire le cube. Regarde, savez-vous quoi? Je prends plein de cobblestone qui est ici. Je vais faire le cube et après, on se laissera pour la paix parce que, ouais, j'ai pas envie de. Que ce soit un épisode de merde non plus, tu sais, je veux dire, je veux quand même qu'on ait un AP, qu'on ait un début quand même assez bien. On a déjà un très bon début, on a déjà un P4, ça fait une minute qu'on est arrivé sur le serveur, puis on a déjà un P4. Donc voilà, sur ce, à tout de suite. Voilà, j'ai pris un peu de cobblestone, je sais pas si ça va être assez par exemple, pour être franc avec vous. Je crois pas. Ok, ici, parfait. On va juste surround notre claim, puis on va genre décider qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut creuser, est-ce que, tu sais, on va voir qu'est-ce qu'on... On fait quoi? Parce que regardez, la warzone se termine ici. Je pense que ici c'est plus notre claim à partir d'ici. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Je sais pas, est-ce qu'on fait. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Hein. Ça c'est notre claim en tout cas. Tout ça, ça nous appartient ici. Donc, après, est-ce qu'on fait genre. Est-ce qu'on fait une base à partir d'ici, genre? Ici, ce serait genre la base. Devant, ce serait le trou d'AP. Faudrait réfléchir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment on fait un type d'AP? Est-ce qu'on fait comme ça, avec le trou ici, puis ici, on mettra genre une salle avec des safe rooms et tout? Genre, comment qu'on le fait, genre? Parce que... Ouais. Parce que de toute façon, il y a des factions qui vont s'installer autour. Là et là, j'aimerais ça que ce soit des factions d'entre vous, ce serait certains d'entre vous. Ça nous ferait tout ça pour la trap. Même non, c'est trop gros, on pourrait faire genre ça comme ça de trap. Genre un trou de bed quoi, jusqu'à la bedrock si c'est faisable. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire, mon ami. Yep, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça, je crois. On va se laisser là-dessus. Vous me dites votre avis dans les commentaires.
Pendant ce temps-là, ben, je vais commencer à creuser un peu, parce que de toute façon, de ma façon ou d'une autre, c'est sûr qu'on va creuser les deux premières lignes qui sont ici. Fait que ça, on va les creuser, on va voir s'il y a une limite jusqu'à la bedrock. Et puis voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, les amis. Et dans la prochaine vidéo, ben, comme je vous l'ai dit, on va faire les recrutements pour être sur le serveur. Donc, ça nous a pas pris beaucoup de temps avant d'avoir 10 P4 etc. aujourd'hui. Mais bon, un gros merci à ceux qui nous ont fait des dons, surtout Bidoul. Bidoul, je crois qu'il s'appelait. Biboul, excusez-moi. Et puis voilà, un gros merci à toi, mon ami. Et j'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Si c'est cool, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Iconz. Ciao!